Tête Première est un programme d'aide à la santé psychologique des entrepreneurs. On offre des conférences, des groupes et des rencontres individuelles à faible coût avec des professionnels de la santé. Dominique Fugère, je suis directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières. Mon parcours entrepreneurial est un peu curieux parce que je me sens entrepreneur dans le cadre où j'entreprends des choses, mais évidemment, le Grand Prix de Trois-Rivières, si je le dirige, n'est pas mon entreprise. Mais je viens d'une longue lignée d'entrepreneurs, surtout ici en Mauricie. Mon arrière-grand-père est un contracteur forestier, mon grand-père est un boucher, mon père aussi, on a une épicerie. J'ai été élevé dans le milieu des affaires, mais j'ai jamais eu envie de me partir en affaires. Pourtant, je me retrouve maintenant à la tête d'une entreprise, puis à la tête d'une entreprise où j'ai la chance d'avoir l'appui d'un conseil d'administration qui me donne la latitude d'aller dans des directions, d'entreprendre de nouvelles choses, mais aussi d'avoir 1200 bénévoles, puis d'avoir des partenaires qui, eux, me donnent les moyens pour réaliser ces visions-là. C'est pour ça que je me considère comme entrepreneur, même si je n'ai pas eu besoin d'aller à la banque pour faire un prêt pour partir ma business. Ce que j'ai appris dans mon parcours d'entrepreneur, c'est qu'on n'est jamais aussi bon que lorsqu'on s'entoure. On n'est jamais aussi bon que la somme de ce qui nous fait, donc nos proches, notre famille, nos amis, les gens qu'on rencontre au fil de notre parcours. Puis aussi, c'est bien de s'enrichir au niveau financier, c'est bien de vivre sa vie, mais c'est surtout bien de s'enrichir et de favoriser l'enrichissement de tous. Des gens qui sont avec vous, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux domaines, de pouvoir apprendre quelque chose à quelqu'un, à un groupe, d'intégrer la communauté. Je pense que les entreprises, les organismes doivent faire partie de leur communauté. Ils en retirent beaucoup et ils se doivent de redonner autant. L'important pour avancer devant les obstacles, c'est de reconnaître, c'est exactement, puis on va parler de voiture. Je suis dans le milieu de la voiture. Il faut vraiment faire les mêmes étapes que quand on apprend à conduire manuellement. Donc, quand tu ne sais pas conduire manuel, tu sais même pas, quand tu n'as jamais conduit, tu ne sais pas que, quand tu regardes tes parents conduire, tu ne sais pas qu'il faut appuyer sur l'accélérateur, il faut appuyer sur l'embrayage, il faut mettre la vitesse, il faut changer, et ainsi de suite. Donc, tu ne sais pas que tu ne sais pas. À un moment donné, il arrive un moment où tu sais que tu ne sais pas. La première fois que tu essaies de conduire manuel, puis la voiture étouffe, puis ci, puis ça, puis ça va pas bien. Et tu avances là-dedans dans les aptitudes pour les voitures, et c'est la même chose, c'est le même genre de stratégie que je prends quand j'apprends de nouvelles choses. C'est, il arrive un moment où je sais que je sais. Donc, je fais attention. On appuie sur l'embrayage, on met la vitesse, on appuie sur l'accélérateur, on lâche l'embrayage. Et il arrive un moment où ça devient naturel, puis on passe les vitesses sans s'en rendre compte. Donc, vraiment, d'être capable de séparer les étapes, puis de réaliser ce qu'on ne connaît pas et de trouver les ressources pour le connaître, pour apprendre des nouveaux domaines d'activité. Quand j'ai commencé, il y a une quinzaine d'années, au Grand Prix Trois-Rivières, puis avant ça, j'ai été longtemps journaliste en sport motorisé, le sport automobile électrique n'existait pas. Mais là, maintenant, je connais un paquet de choses sur l'électrique. Je sais que pour organiser une course électrique à Trois-Rivières en plein hiver, ça prend 600 ampères, 600 volts. Ça, c'est énormément de courant. Ça prend des fils gros comme ça, puis ça prend un paquet de choses que j'ai appris sur le tas parce que je me suis entouré justement d'un entrepreneur de la région ici, entrepreneur électricien Stéphane Gélina, qui est exceptionnel. On l'a consulté quand on est allé organiser des courses à Calgary, après au téléphone pour se faire dépanner. Donc, il faut aller chercher l'expertise là où elle est. Puis, personnellement, ça me stimule d'intégrer ces expertises-là. Ça, ça me propulse en avant. Ça me permet de garder de l'intérêt dans mon travail, puis aussi de me garder vraiment sur le bout de mes pieds, de toujours être capable d'avancer puis de sentir que je progresse, même si parfois, il y a des obstacles qui se mettent en porte-à-faux. La qualité numéro un pour être entrepreneur, c'est d'être agile. Oui, d'être résilient, mais je pense que la résilience fait partie de l'agilité. Il faut être capable de changer de méthode, changer de stratégie et de pouvoir le faire sans... Il faut se poser les bonnes questions,
Mais une fois qu'on a décidé de prendre une décision, on prend des décisions réfléchies et on les endure longtemps, mais il ne faut pas non plus s'entêter. Donc, cette agilité-là permet de savoir à quel moment on s'en va vers le mur, à quel moment on est mieux de se tasser un peu. C'est comme piloter un avion qui part de Montréal et qui s'en va à Paris. 90% du temps, elle ne sera pas en direction de Paris. L'avion ne sera pas en direction de Paris. L'avion va être un peu à l'ouest, un peu à l'ouest, un peu au nord, un peu au sud. Et on réajuste le cap tout le temps et c'est cette agilité-là. Puis l'important pour ça, c'est de savoir qu'on s'en va à Paris. Donc, en connaissant là vers où on veut aller, ça nous permet d'avoir l'agilité et surtout de pouvoir se diriger dans la bonne direction. Et je pense que c'est de loin la qualité primordiale la plus importante. Dans les dernières années, je me suis trouvé dans des positions où je gardais l'œil sur l'objectif, mais le chemin entre le poteau, le drapeau que j'essayais d'atteindre et l'endroit où j'étais devenait complètement embrumé. Et ça, ça a été un défi que j'ai dû relever puis pour lequel j'ai dû aller chercher de l'aide à quelques moments. On sait ce qu'on veut, mais à un moment donné, on pense qu'on ne peut pas y arriver parce que le chemin n'est pas là. C'est comme dans la passerelle qui disparaît dans Indiana Jones, puis à un moment donné, les pierres apparaissent sous les pieds. Mais il faut en faire l'acte de foi d'appuyer sur ces pierres-là et de se dire, si je mets mon pied en avant, la roche va me soutenir. Si je sais où sont les roches ou si je sens où sont les roches, je vais être capable d'aller chercher le chemin au complet pour m'amener jusqu'à la destination que je veux aller. Puis j'ai découvert, j'ai un ami en particulier à qui je pense que je suis allé voir à quelques semaines d'une de nos épreuves où je ne pensais pas être capable de me rendre. Je voyais l'objectif s'en venir et j'ai eu besoin de me ressourcer et de me faire réaligner par cette personne-là qui, après, m'a dit « Il n'était pas si compliqué que ça, ton problème. Il fallait juste te mettre les yeux en avant des trous et d'aligner, justement, de savoir vers où on doit aller pour trouver le bon cap. » Puis ça m'a énormément aidé. Puis j'ai appris dans cette démarche-là, l'importance de, justement, s'entourer soi-même tout autant qu'on veut entourer notre entreprise et qu'on veut entourer nos projets. Quand je me retrouve dans une situation plus difficile professionnellement, ça devient naturel d'une certaine façon de vouloir s'apitoyer, de vouloir... Je pense pas que l'abandon était vraiment me guettait, mais j'avais au moins la présence d'esprit de savoir que je devais revenir un peu comme quand on conduit, quand je parlais un peu plus tôt de la conduite manuelle, c'est de revenir à la base, de revenir à « je peux faire ça, je vais faire ça, mais il reste que le doute finit par s'installer, puis aussi il y a un peu... Ce qui est difficile là-dedans, c'est l'épuisement. L'épuisement mental, l'épuisement physique, mais aussi l'épuisement émotif où on doit se recrinquer. Puis à un moment donné, on dit, la clé, elle craint plus. Puis on doit passer à travers ça. Puis c'est là qu'on a besoin de l'appui des autres, puis qu'on a aussi besoin de se ressourcer, puis de trouver la raison pour laquelle on fait les choses quand on se ressource là-dedans. Quand moi, je sais qu'il y a des matins, à 4 heures du matin, avec la météo qui n'avait pas de bon sens, puis il faisait pas assez froid pour faire de la glace, mais j'étais capable de me dire, je peux pas me battre contre Dame Nature, mais je vais être capable d'aller faire tout ce que je peux faire pour m'assurer que le projet prenne place. Il faut vraiment s'ancrer dans pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et j'ai le bonheur de pouvoir travailler dans un domaine puis faire un métier qui me passionne puis qui m'auto-motive. Puis j'aurais de la difficulté à le faire si je n'étais pas aussi passionné par mon travail. Je peux comprendre les gens qui se découragent quand autant de leurs énergies sont mises à quelque chose auquel ils ne croient pas ou quelque chose qui ne les satisfait pas, qui ne les comble pas. J'ai la chance de pouvoir compter sur des amis
fidèles, loyaux et honnêtes. Et il arrive parfois que je cherche longtemps dans le Rolodex de ma tête pour trouver qui je dois appeler pour pouvoir me raisonner ou en tout cas essayer de craquer, trouver le petit trou dans l'huître pour être capable de rentrer le couteau, pour pouvoir faire sortir la coquille, puis soit avoir une perle ou manger l'huître, les deux, c'est aussi bon dans mon cas. Puis j'ai aussi la chance inouïe de partager ma vie avec quelqu'un qui est en entreprise puis pensait pas être là. Moi, c'est comme si je me disais à quelque part, je vais sûrement me retrouver dans une entreprise parce que c'est un peu comme la voie de ma famille, puis ça m'a jamais fait peur, même si ça m'a jamais attiré. Dans le cas de ma copine, elle, ça lui est jamais passé par l'idée, c'est arrivé sur elle. Sauf qu'on est un peu dans des métiers similaires. On a longtemps fait exactement le même métier, puis on fait des métiers similaires, donc on parle le même langage, on est capable d'échanger, mais nos métiers sont juste assez différents pour être capable de se donner une perspective éclairée qui nous permet d'avoir l'angle qu'on a besoin pour trouver la solution. Des fois, il ne faut juste pas regarder le problème de face, il faut le regarder un peu de côté. Puis j'ai la chance d'avoir ça à la maison. Puis en plus, c'est que je sais que parfois, c'est difficile de séparer le métier, le ci, le ça, mais ma copine est pareille comme moi, elle adore ce qu'elle fait. Donc, quand on en parle, c'est jamais un effort. Puis quand on ne veut pas en parler, on parle de d'autres choses. Assurez-vous de vous rappeler pourquoi vous vous êtes engagé dans cette voie-là. En le faisant, vous allez être capable de trouver les clés, de trouver la motivation pour pouvoir traverser quand le chemin va être un peu plus flou.